alone. Je me suis pas du tout teint les cheveux en vrai, genre juste fait ma patine. Et pour l'instant ça a l'air d'aller, honnêtement. J'ai pas l'impression d'être rousse, donc ça c'est pas mal. Il est 21h45, je viens de monter dans ma chambre. J'ai fait mon sac, j'ai fait mes habits. Maintenant je pense que je vais me mettre dans mon lit. Je vais commencer le montage de ce vlog là. Et je pense que je vais me coucher vers 22h30 parce que j'ai l'impression qu'au plus je me couche tôt, au plus je suis fatiguée le lendemain. Donc on se retrouve demain. De ce soir, c'est des petites tomates. Je vous rassure, il n'y en a pas que deux, c'est juste que j'avais déjà mangé presque tout ce qu'il y avait dedans, j'en ai mis une dizaine. Et ensuite, de l'eau, parce que j'ai une nouvelle résolution, entre guillemets, c'est de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Du coup, je vous explique dans mon petit carnet qui est juste ici. Vous m'avez demandé plein de fois si c'était un bullet journal et tout, mais en fait pas du tout, c'est juste un petit carnet où je note un peu tout ce qui me passe par la tête et j'ai vraiment envie d'essayer de tenir toute l'année. Et du coup à l'intérieur là j'ai fait ça. En gros hier soir je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui testait le programme diététique des modèles Victoria's Secret et en gros ça m'a grave inspirée à remanger plus de légumes, plus de fruits, etc. Noter ce que je mange au petit déj, noter ce que je mange le midi et le soir. Donc là j'ai fait toute la page pour la semaine qui arrive, donc là cette semaine, parce que j'ai envie d'essayer au moins sur une semaine. Bon, là, il est 18h16, je suis rentrée chez moi il y a à peu près 10 minutes, pile à l'heure pour le couvre-feu. Demain matin, j'ai pas cours, je commence à 13h parce que j'ai pas de DS demain, donc ça c'est cool. Et du coup, ce soir, ça me laisse grave du temps pour prendre mon goûter, pour répondre à vos DM sur Insta, etc. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, j'aurai le temps de faire du sport et d'aller me laver après. Et voilà, demain matin, j'ai envie de me faire une petite matinée très youtubeuse fitness, me réveiller à l'aube, 9h du matin, faire du sport. J'ai fait 30 minutes de sport, ça m'a vraiment crevé. Ma dégaine de pyjama, elle est incroyable. Il est 10h45, je suis coiffée, maquillée, habillée, enfin presque habillée, il faudra juste que je change mon jean parce que là j'ai mis un jogging pour être un peu plus confortable. Là je vais prendre mon petit déj du coup, je vais tenter les avocats de toast parce que j'ai fait un débat là-dessus sur Insta l'autre jour. Et il y a des gens qui m'ont dit que si j'aimais pas c'est peut-être parce que je les avais jamais assaisonnés en fait. Et la seule fois où j'ai goûté les avocats, j'ai trouvé que ça avait un goût d'herbe. Donc du coup je vais goûter ça sur du peng avec une petite omelette par-dessus et quelques fruits. Elle est un peu genre presque 11h et je me dis que là je vais prendre mon petit déj mais ce sera aussi mon repas de ce midi en même temps. Je vais essayer de faire ça hyper beau pour pouvoir faire une petite story sur Insta en mode healthy girl et mon accent il éclate au sol. Bref, encore un plan en musique, je suis désolée, les musiques libres de droit c'est vraiment nul mais j'ai pas le choix. Bon bah écoutez, bon appétit hein. Moi je pars dans une heure là pour prendre mon train. Enfin un peu moins d'une heure d'ailleurs. Et je me suis mis de la banane pour avoir un petit apport en sucre. J'ai fait une omelette, elle fait grave pitié mon omelette. Elle a pas l'air bonne du tout. Faut pas suivre aux apparences, c'est un apport en protéines. Après j'ai fait des avocats de toast. Parce que vraiment je vous jure que ça me frustre de ne pas aimer l'avocat. Je trouve que c'est tellement beau les avocats de toast que vraiment je suis frustrée de pas aimer ça. Et après j'ai mon café que j'ai fait beaucoup trop tôt. Donc du coup je pense qu'il est un peu froid. Ça n'a aucun sens de boire du café à midi. Enfin il est pas midi mais vous avez compris genre. J'ai l'impression d'être une daronne quand je bois du café comme ça. Oh. Ah non, c'est vrai, j'ai plus internet. Allez, c'est parti, le test ultime. J'ai très peur. Ça a pas de goût. Ça a pas de goût, mais c'est bon quand même. Je pense que j'ai mis trop de sel par contre. Non, c'est bon. C'est trop cool de commencer à 13h et tout. Mais quand tu sais que tu vas en cours pour 2 heures de cours, c'est hyper frustrant.
Je sais pas quelle chaussure est la plus adaptée pour aller au lycée aujourd'hui. En vrai, celle-là c'est le confort et celle-là c'est la bégétitude. J'ai des devoirs à faire dans le train après. Bon, je vais partir dans un peu moins de 15 minutes. Du coup, je vais vous montrer ma tenue. Petit pull noir comme ça qui vient de chez Vero Moda. Le blazer, comme ça, c'est un Stradivarius, sauf que c'était à ma mère. Ensuite, le pantalon, pareil, je peux pas vous retrouver de lien parce que c'est celui que j'ai acheté sur Vinted. Je l'ai acheté à Clara Qualdera. Mais je crois que je l'avais pas payé très cher. J'avais dû payer une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Et après, pour les chaussures, du coup, je vais pas mettre mes pantoufles, malheureusement. Je vais laisser mes blazers. Mon sac de course, c'est celui-là. C'est un Asos. J'ai le train à 12h27. J'arrive à la gare à 12h46. J'attends une de mes copines parce qu'elle arrive à 12h50. Là, on fera la route jusqu'au lycée à deux. D'ailleurs, je suis habillée tout en noir, non pas parce que je vais assister à un enterrement aujourd'hui. Peut-être à mon enterrement si j'ai ma note de DS en histoire. Bien que je le sente bien, mais je suis sûre que je vais me faire couillonner, donc je vais avoir une note de merde. C'est juste qu'avec ma pote, on commence le un jour une couleur sur TikTok. Vivi, ça fait genre un mois et demi qu'on voit ça passer et qu'on se dit vas-y, on va le faire. Au final, on le fait pas. Du coup, là, ce matin, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit habille-toi tout en noir. Je suis tout en noir aujourd'hui. Bon bah c'est une bonne journée de terminée, il est 18h15, je viens de rentrer chez moi, j'ai pris du retard avec le bus et tout. J'ai pris mon goûter, il est juste ici, c'est la même chose qu'hier, mon bol de tomates avec un verre d'eau. Et voilà, d'ailleurs j'ai bu mon quota d'eau pour la journée, ce soir je vais faire du montage, le montage de ce vlog là. Ah ouais, d'ailleurs j'espère que ça vous saoule pas trop, mais de voir tout le temps ma chambre éclairée en violet, parce que j'allume tout le temps mes LED et c'est tout le temps le violet que je mets. Alors ça c'est Linda Sun et Linda, je saigne toutes ses vidéos depuis genre une semaine et elle est hyper productive, enfin moi ça me motive de ouf. Bon par contre c'est une américaine. Hein. Il est 15h, on est mercredi et je vais enfiler ma tenue de sport. D'ailleurs j'ai des énormes courbatures par rapport à hier, avant-hier. Quand j'ai mal ici, j'ai l'impression de m'être fait tabasser en fait là sur les deux côtés. On va changer de outfit dans ma transition préférée. Voilà, là je vais commencer avec mon workout préféré de MadFit. C'est parti. Bon, il est 17h30, j'ai fait mon petit sport et tout pendant 45 minutes. Ça m'a fait grave du bien, grave plaisir et tout de faire une grosse séance. Je voulais faire du montage, mais au final, je viens de me rappeler que j'avais 3 évals vendredi. J'ai jamais aucune interro, ni rien en cours, jamais, jamais rien. Et là, tout tombe vendredi. Là, je vais faire mon écho parce que j'ai presque terminé ma fiche. Et de toute façon, je les apprendrai demain, ça sert à rien que je les apprenne aujourd'hui parce que vendredi, j'aurais déjà tout oublié. Ah d'ailleurs, je suis passée à l'oral tout à l'heure en anglais oro. Et ça s'est hyper bien passé, genre, enfin, je pense que ça s'est bien passé, genre, j'ai pas du tout lu mon texte. Moi je vais remettre ma caméra à charger parce que là elle clignote. Je vais aller prendre ma douche. Demain en gros je vous explique, je pense pas que je vais vous vlogger. Vers 11h30 je vais chez une pote. Toute l'après-midi jusqu'à genre 18h, couvre-feu, t'as vu. Est-ce que ça se voit que je suis complètement morte là? Quand je suis fatiguée j'arrive pas à faire semblant que je ne le suis pas. Voilà, bref, moi je vais me laver et je vous retrouve après peut-être ou pas, je ne sais pas. Bon, ce matin, j'ai décidé que j'allais tout ranger ma chambre. Enfin, ma chambre elle est déjà rangée, mais plutôt la nettoyer. Donc, ça va pas être beaucoup de changements en surface, mais ça va être surtout beaucoup de nettoyage, je pense. Et j'ai oublié les produits pour nettoyer les carreaux. Wouh!
Il est 13h36, je viens d'aller manger et comme vous pouvez le voir, j'ai fini de faire le ménage dans ma chambre ce matin. À la base, j'avais des devoirs à faire, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Je pense que je vais me regarder un petit film ou alors des vidéos, je sais pas trop. Les gars, il est 21h30, je vais mettre fin à ce vlog maintenant. Moi, j'allais faire du sport après et tout, mais il faut juste que je finalise le montage aujourd'hui, enfin ce soir, pour pouvoir vous la poster demain, donc dimanche. Et honnêtement, je pense que vous m'avez vu assez de fois faire du sport cette semaine. En tout cas, moi, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aimez toujours autant mes vlogs, toujours autant mes vidéos, mes miniatures et tout. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo sur ma chaîne, excepté des what's on my phone, des retours, des hauls et tout ce qui s'ensuit, genre les vidéos un peu bateau. J'ai envie de revenir sur YouTube parce que c'est vrai que ça m'avait un petit peu manqué de faire du montage. Moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.